Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler à nouveau des spectres. Donc il y a déjà eu quelques vidéos de réalisés, on avait trouvé 10 spectres dans une première vidéo, un autre, donc un 11e dans une vidéo concernant le jardin noir. Je vous fais à présent une vidéo concernant 6 nouveaux autres spectres. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vous mettrai les liens des précédentes vidéos dans la barre d'infos et ce qui porte donc le total des spectres découverts à l'heure d'aujourd'hui à 17 pour ce DLC2. Donc on commence doucement mais sûrement avec la mission La Guerre Future, donc Incoming War. Lorsque vous spawnez, vous allez tout simplement emprunter le petit chemin de droite un petit peu derrière la colline et le spectre il va se trouver tout au fond niché contre les rochers. Donc il y a 3 spectres dans cette mission, le suivant se trouve un petit peu plus loin lorsque vous suivez le fil de la mission. Vous allez tuer un cabal corrompu maintenu en laisse par Oryx et le petit spectre va se trouver tout simplement derrière le cadavre d'un deuxième cabal. Donc le voici juste derrière, niché sous le sol en dessous de cette petite trappe. Le troisième spectre, encore un peu plus loin, se trouve au niveau de l'aérodrome, donc il va falloir descendre tout en bas. Et lorsque vous êtes ici, vous avez une sorte de petit pilier sur le côté, un petit renfort. Vous allez tout simplement monter sur ce pilier, comme ceci, et le spectre se trouve au-dessus du tuyau que vous pourrez récupérer d'un simple saut. Les 2 prochains spectres vont se trouver quant à eux dans la cachette de Caïd, une autre mission du mode histoire. Donc à un moment donné, on vous demande de monter tout en haut de cette grue pour pouvoir déplacer un élément du décor. Et bien le spectre se trouve tout simplement perché tout en haut au sommet de cette antenne, au niveau de celle qui possède une parabole. Un petit peu plus loin dans la mission, même carrément à la fin de la mission, vous êtes amené à affronter l'écho d'Oryx. Et à un moment donné, lorsque vous l'avez tué, vous avez un laps de temps pour pouvoir désactiver une machine ou la scanner. Et bien prenez votre temps pour explorer le décor puisqu'il y a un petit spectre caché sur les côtés au niveau des barrières de la salle. Et enfin, dernier spectre qui se trouve sur l'assaut Sabre 2. Donc à un moment donné de la mission, lorsque vous suivez le fil de l'événement, on vous fait passer dans ces petits couloirs bleutés. Et bien sachez qu'il y a une petite trappe à faire sauter sur le côté et que derrière cette petite trappe se cache tout simplement votre 17e spectre. Donc voilà les nouveaux spectres afin d'augmenter votre collection. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit like si ça vous a aidé. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon DLC. Ciao tout le monde !